Salut les bâtisseurs, rénovation de la toiture côté face de maison. Alors j'ai dû enlever et remettre l'échafaudage. C'était pas une mince affaire parce que le sol est pas plat, donc j'ai dû rehausser avec des parpaings, des bouts de bois. Prochaine fois, faut faire ça sur un sol plat ou se débrouiller autrement. Il y a eu dépôt des ardoises en fibro-ciment. Alors ils m'ont non seulement agrafer toutes les ardoises, mais aussi clouer deux clous par ardoise. C'était pas facile. Je me suis efforcé à les garder en entier, mais bon, voilà quoi. Alors les litons ont été déposés aussi. Pareil, j'ai dû enlever tous les clous avec soin, parce que je récupère les chevrons. La pointe a été refaite aussi. C'était pas une mince affaire non plus.
J'aurais mieux fait d'enlever tous les chevrons et tout recommencer. Comme ça, il n'y aurait pas eu d'histoire. Et de toute façon, la prochaine fois, faut que je mette un échafaudage des deux côtés et que je fasse les deux faces en simultané. Faire ça en plein mois de novembre, pratiquement décembre, c'est pas le moment idéal. Mais fallait que je le fasse parce que sinon ça aurait repoussé encore d'une année tous les travaux. C'est bon quoi, au bout d'un moment, faut que ça avance aussi. Partie nord, ils m'ont posé une dalle de béton de ciment par-dessus le mur. Je pense que je vais devoir quand même casser tout ça. C'est pas très bon pour l'humidité. Il faudra aussi que je réfléchisse à l'histoire de la cheminée. Comment la poser et quoi poser. Mais je pense que ce sera un tube tout fait. Devant les espèces de cache-moineaux qu'ils ont fait, ça va se casser assez facilement, j'imagine. Et sortir le perfofo. Mais au marteau, ça devrait aussi casser. Ensuite, je remettrai des vrais cache-moineaux en bois. Il faudra que je les fasse sur mesure parce que c'est jamais le même écartement ni la même hauteur. Partie sud, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est pas, il n'y a pas d'arase. D'ailleurs, il y avait un nid de frelons aussi. Et ils m'ont planqué des bouts d'ardoise en fibrociment sous les pierres. Falloir enlever ça avec soin. Bon, je vais en profiter pour enlever le ciment qu'il y a ici, que ce soit ouvert, histoire que ça fasse moins de poussière. Finalement, ils avaient réussi à me mettre une sacrée dose de béton là-dedans. Voilà, alors en fait l'ardoise elle était planquée ici. C'est parce qu'il y avait un ancien conduit. Il a dû être fait vers les débuts de la construction de la maison. Du coup, si un jour je veux faire une VMC ou quoi que ce soit, faudrait que ça sorte par ici. Bon, maintenant que j'ai mis toute la journée pour la démolition du ciment, je vais pouvoir préparer le chantier pour demain. Voilà, le soleil est déjà parti. Encore une fois, je me suis bien embêté à rattraper les chevrons déjà existants. Pour une vingtaine de chevrons, j'aurais mieux fait de tous les changer. 17h30, fin de journée. C'est tôt les fins de journée, en fin d'automne. Touche pas à ça, c'est mes sauts de sable. Touche pas à ça, c'est mes sauts de sable.
Alors, sur les conseils de quelqu'un dans les commentaires, j'ai investi dans un malaxeur. J'ai attendu le Black Friday, les réductions, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que ça va vachement bien. Avant, j'utilisais le perforateur Burineur. Mais bon, ça peut l'abîmer. Surtout, ça va beaucoup moins bien. Et j'en ai encore besoin pour casser du ciment, donc ce serait dommage de le fusiller. Pour faire la marmelade, il y a 6 seaux de sable, 2 seaux de chaud, NHL 3,5. Mange pas ça. Et 10 litres d'eau. Bon, ça, l'eau, ça dépend de l'humidité du sable. Non, non. Non! Et du coup, on peut faire un tiers. Alors, un petit peu de mortier. Coucou. Quels dégâts encore, ce ciment? Ça fera encore plus de boulot. Merci le ciment.
La sablière a vraiment été taillée n'importe comment. Donc tout est à refaire sur mesure. Voilà, c'est fait. C'est pas tout à fait esthétique, mais ça fait le travail. De l'extérieur, ça devrait pas trop se voir, et de l'intérieur, ce sera de façon améliorée. Je m'en veux d'avoir voulu récupérer les matériaux existants. J'aurais remis une vingtaine de chevrons et une nouvelle sablière, ça aurait été vraiment beaucoup plus facile. C'est ça, de rénover à l'identique. C'est foireux. Bon, presque la fin de journée. Je vais essayer de mettre l'écran sous toiture avant qu'il gèle, parce que après ça glisse. Pour les outils, il y a le stock d'agrafe. La graffeuse à frapper. La petite pince pour enlever les agrafes ratées. Les deux serre-joints à une main. Alors, faut déjà couper la longueur, la dérouler. C'est facile pour la première longueur parce qu'on est sur l'échafaudage, mais après, c'est sur la corde. Voilà, bien tendu. C'est quand même mieux quand il n'y a pas de vent. Et si jamais on fait un trou, bah faut remettre par-dessus un écran sous toiture entre deux contrelattes. Voilà, premier étage agrafé provisoirement. Encore trois autres étages, et ensuite faudra rabattre l'autre côté par-dessus. Et après, évidemment, pose de contrelatte, sinon le vent il arrache tout. Pas réussi à faire ça à temps hier. Dès que le soir est tombé, c'est devenu tout gelé, ça glissait comme pas possible. Bon, changement de technique, je vais faire ça par l'intérieur le plus possible. Ça commence à être fin de journée. Le dernier étage est rabattu par-dessus. C'est la continuité comme ça. Il me reste encore à graffer provisoirement tout ce qui est vers le milieu. Les bords, j'ai déjà fait pour être tranquille. J'ai déjà mis une contrelatte complète ici pour essayer de protéger plus ou moins du vent. Mais ça suffira pas. Donc ça commence à 2 cm du bord, la première fait 3 mètres et la suivante fait 2 mètres 18 du coup. 5 mètres 20 de chevron pratiquement. Enfin c'est pas pratiquement, c'est complètement. Donc la première à bien mettre au contre le bord. Premier clou au début. Et ensuite repositionner et mettre le dernier clou à la fin. Et puis il faut clouer tout le long aussi pour que ce soit solide. Fin de journée.
Ça tiendra à la pluie, mais le vent, c'est pas dit encore. L'écran sous toiture est posé avec les contrelattes. Alors ça n'arrête pas de zigzaguer vers le haut parce que c'est les chevrons qui sont côte à côte et non pas d'un seul tenant. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile, faut faire plein de petits bouts. Il faut faire attention aux pièges, à pas marcher n'importe où. Alors j'ai fait une première fois un petit trou en tapant la graffeuse à côté d'un chevron. Une deuxième fois, j'ai balancé un petit bout de bois pour m'avancer et ça a fait un trou. Bravo. Et j'avais tout fini. Et j'ai refait un trou parce que j'ai glissé sur les contrelattes. Parce que c'est vachement glissant quand c'est un peu humide. C'est tout lisse, tout glissant. Donc voilà, bravo. Thank you.
Le faîtage n'est pas tout à fait droit. C'est pas encore totalement fixé non plus. Par contre là-bas c'est beaucoup plus bas, même en ayant triché, en ayant mis 5 mm d'écart, au moins sur 10 rangées. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra mettre un peu d'écran sous toiture par-dessus tout ça. Comme ça on est sûr de ne pas avoir de fuite au faîtage. La prochaine fois, je mets un échafaudage des deux côtés parce que là, je peux pas finir du coup. Et je change tous les chevrons. Ici, il faudra finir le mètre 50 qui reste à l'itelé. Et là, de toute manière, ça va être couverture. Donc ça a été 2 mois de galère en plein hiver pour pouvoir finir un pan. Et ça, c'est une expérience très très rock'n'roll.